Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Alors, ce vendredi 29 décembre 2023, l'année tire à sa fin. 2024 est à nos portes, 8h58, heure du Québec. Pendant qu'on nous distrait toutes sortes d'insignifiances politiques, de, politique, de divisions à partir de presque tout et de rien, on, et les, naturellement les nombreux conflits et guerres qui sévissent, et qui touche la population euh, de ces régions où ces guerres sont déclarées, les médias ne nous parlent pas de ce qui se passe au niveau climatique. Tant que ce n'est pas politisé, tant qu'il n'y a pas un intérêt pour eux d'en parler pour faire avancer leur agenda, ils n'en parlent pas. Ils vont dramatiser l'été, le fait qu'il y a une période de canicule puis que tout le monde souhaite depuis toujours, parce que c'est ça l'été. Ils vont dramatiser ça à chaque fois. Ils sont incapables de juste prendre le moment présent pour le vivre et l'apprécier. Il faut toujours politiser, dramatiser, politiser, dramatiser et utiliser ce que la température nous offre au, au quotidien pour essayer de faire avancer, puis de convaincre, comme si c'était un argument solide, c'est ça qui est le plus étonnant, la population qu'il faut absolument qu'elle se départisse de sa petite voiture, de son. Confort, de son luxe, de son air climatisé, de son chauffage, de ses habitudes alimentaires. Et j'en pense et j'en pense pour sauver la planète, qui est là depuis des milliards d'années et qui n'a pas vraiment besoin d'être sauvée, sauf peut-être qu'elle doit aussi en avoir plein le dos et les oreilles, si la Terre a des oreilles, via ses ondes magnétiques, d'entendre toutes ces insignifiances-là. La Terre en a vu, elle en verra et continuera à en voir. Bien, toujours là, il y a des périodes, je peux dire une chose quand tu regardes l'histoire géologique puis climatique et atmosphérique de la Terre, il y avait des niveaux d'oxygène bas, il y avait de l'acide sulfurique, les eaux étaient les océans étaient sans vie, tout est revenu. Tout part, tout revient, tout part, tout revient, tout est cyclique. la vie est encore là. Les ours polaires sont encore là. Les phoques, les koalas, les pandas sont encore là aussi. Pendant ce temps-là, il y a une vague de froid historique en, en Antarctique, mais tu fais des recherches, puis zip, il n'y a rien, rien là-dessus. La dernière nouvelle que tu vas trouver, si tu vas sur Google <coughs> et tu mets vague de froid polaire ou, dans, ou vague de froid en Antarctique qui devient comme extraordinaire en ce moment, la seule recherche que tu as, puis la seule. Trouvaille que tu vas avoir, c'est une nouvelle du 1er janvier 2023, l'an dernier. Alors qu'en ce moment, il y a une vague de froid, des basses températures records en Antarctique, mais tu n'en entends pas parler. Parce qu'ici, naturellement, à cause du, du phénomène, phénomène El Niño, qui est un phénomène climatique qui revient cycliquement, euh, on a la chance d'avoir une période d'accalmie, nous autres ici au Québec, puis certaines régions. Euh, de l'hiver. Donc, profitez-en. C'est extraordinaire. Moi, j'ai fait du vélo hier sur ma piste cyclable qui m'amène jusqu'à Oka. Il n'y avait pas de neige. Mais on a reçu de la neige abondamment en octobre. C'était un petit peu déphasé. Mais le froid va revenir à partir de janvier. Tout va revenir à la normale. Température record. Des plus basses températures record depuis 40 ans. Qui engendre des nuages extraordinairement fantastiques. Je laisserai le lien de The Watchers dans la boîte de description. Donc, euh, augmentation de froid, de température record dans l'Antarctique, des niveaux euh, inférieurs, vraiment. On est en bas des euh, moins 40 et moins 50. À ce temps-ci de l'année, généralement, ça arrive jamais, mais là, il y a une vague de froid. Euh, la séquence de températures inférieures à moins 40 au cœur de l'été sur le plateau antarctique commence à être extraordinaire, euh, a posté Stefano De Battista, chercheur qui a publié des études sur les températures antarctiques. L'Antarctique affiche très rarement, très rarement des températures inférieures à moins 40 au cours de la seconde moitié du mois de décembre, mais cette année, elle en a vu une pléthore. Zip silence là-dessus de la part des de tous les médias. Pendant ce temps-là. On va aller voir, il y a plusieurs, plusieurs tempêtes qui ont frappé l'Europe. Des avertissements d'inondation sont émis alors que les rivières des Pays-Bas atteignent des niveaux records, Incident aussi majeur déclaré à Thameside d'après le passage d'une tornade lors de la tempête guérie au Royaume-Uni. Une petite tornade produite par la tempête guérit a ravagé le Grand Manchester au Royaume-Uni. Euh, le 27 décembre, entraînant des dégâts importants et euh, la déclaration d'un incident majeur à, euh, à Tamside. Aux heures tardives du 27 décembre 2023, une tornade petite mais destructrice a ravagé le Grand Manchester au milieu des impacts plus larges de la tempête guérite. La tornade a provoqué l'accrochage, de... <coughs> plutôt l'arrachage des toits, des maisons le déracinement des arbres et l'effondrement des murs dans cette zone qui a été touchée fortement par la tempête. On a aussi euh, beaucoup, beaucoup de temps, on a vu beaucoup d'activités sismiques, euh, volcaniques, des graves inondations qui frappent le sud de la Thaïlande, tant, euh, des orages destructeurs qui ont frappé euh, la côte est de l'Australie, faisant euh, 10 morts euh, le 27 décembre, euh, et plein d'autres perturbations. Le climat, c'est ça, c'est des perturbations après perturbations, tempête après tempête, dépendamment des régions où tu te trouves, et à tous les jours, ceux qui suivent le Watchers comme moi, vous le voyez, c'est rapporté à tous les jours, et c'est comme ça depuis toujours, et tu ne peux pas politiser la température, tu ne peux pas politiser le climat. Alors que ce qui influence le climat, c'est les cycles, c'est le soleil, c'est la haute atmosphère, c'est le courant jet, c'est l'inclinaison de la Terre, c'est les... Les modèles de Milankovitch, c'est plein, 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 plein de choses. Puis de réduire ça au CO2, c'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement du. Alors que ces gens-là, ce... les environnementalistes, ce qui est à déplorer avec eux ces temps-ci, depuis quelques années, c'est qu'ils ont abandonné la biosphère, abandonné les océans, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, pour se concentrer sur un agenda politique qui est de dépouiller la classe moyenne de son mode de vie. Pendant ce temps-là, tout ce qui est comme cette anomalie de l'Antarctique, tu n'en entends pas parler. Il faut que tu fasses des recherches et des recherches. C'est pour ça que c'est important d'être aux aguets et de surveiller et de faire des recherches. Tu ne peux pas te fier à, au système, aux médias, à ton appareil gouvernemental pour te donner de l'information quand c'est eux qui te trompent, te désinforment, jour après jour, à tous les niveaux. Dans un seul et unique but, c'est le contrôle, puis l'avancement de la part de la classe dirigeante qui contrôle toutes les ressources naturelles, qui contrôle tous les gouvernements, qui exploite tout le monde, qui s'en met plein les poches, puis qui trouve qu'il n'y en a encore pas assez dans leurs poches. Puis ce qui frustre le plus l'aristocratie, c'est de voir la classe moyenne, le petit peuple, ne plus vivre dans la boue, puis dans ses propres excréments comme au temps du Moyen Âge. Je vous laisse ça dans la boîte de description.